Bonjour, nous sommes le groupe 1 des 5 Amas, composé de Ryan, Chad, Paloma et Adam. Et nous allons oral sur lequel nous nous sommes basés sur le film 2040 de Damon Gamou. Nous allons en premier vous parler du film 2040, puis nous allons ensuite vous expliquer le réchauffement climatique, puis nos trois solutions contre le réchauffement climatique. Pour finir, nous allons vous expliquer la théorie du donut et nous terminerons par une conclusion. Mais c'est quoi le film 2040 ? Le film 2040 est un film où un papa cherche des solutions pour la vie prochaine de sa fille. Il a peur car il y a le réchauffement climatique, ce qui causerait beaucoup de problèmes dans la vie prochaine de sa fille. Alors, il a pensé à des solutions. Lesquelles sont-elles ? Quelles sont ces solutions ? Il y en a plein, mais on va vous en parler que de trois solutions. La première solution est la permaculture marine. Les points positifs : rétablir l'alcalinité. L'alcalinité des océans, les algues peuvent constituer des pièges à carbone, devenir de la nourriture végétale et être valorisées en biocarburant. Les points négatifs, la permaculture n'a jamais été expérimentée à grande échelle. La deuxième solution est la réduction du trafic urbain grâce à l'autoportage et la voiture autonome. Les points positifs sont la baisse de la population liée à l'usage et la production d'automobiles. Les points négatifs sont l'incertitude liée à l'acceptabilité de la voiture autonome, reconversion difficile. La troisième solution est l'éducation des filles pour un meilleur contrôle des naissances. Les points positifs sont diminuer des dépenses, favorise l'investissement productif, l'augmentation de la population active dans le travail des femmes, permettant l'autonomie et l'évolution vers l'égalité des droits, stabilisation puis la diminution de la population mondiale. Les points négatifs. Résistance des États pour qui la population est un élément de puissance. Difficulté pour faire évoluer la mentalité face au monde religieux plutôt hostile au planning familial. Maintenant, on va vous présenter la théorie du donut. La théorie du donut, c'est un donut qui représente les situations économiques et environnementales des personnes dans le monde. C'est quoi le fond du trou ? Le fond du trou, c'est là où les besoins élémentaires des humains sont insatisfaits. C'est quoi le plancher social ? Le plancher social, c'est là où les besoins élémentaires des humains ne sont pas satisfaits. C'est quoi l'espace juste et sûr de l'humanité ? L'espace juste et sûr de l'humanité, c'est là l'espace où les besoins des humains sont satisfaits. C'est quoi le plafond environnemental ? Le plafond environnemental, c'est les limites de la planète que l'on ne doit pas dépasser. Nous allons passer à la conclusion. Je pense que pour améliorer ces situations, il faudrait agir en appliquant les solutions vues dans le film. Maintenant, si nous voulons avoir une planète sur laquelle nous pouvons vivre sainement, eh bien, merci de nous avoir écoutés.